en aimant. Eh bien écoutez, vous pouvez juste tout simplement fermer les yeux. On ferme les yeux et puis on prend juste le temps, tout le temps qu'il est nécessaire pour se détendre. Détendre surtout le corps dans un premier temps. Et vous pouvez laisser effectivement votre corps prendre la position qui est la plus confortable pour lui, celle qui est la plus agréable. Et vous verrez que peut-être que pendant cette séance, le corps aura peut-être envie de changer de position ou de bouger. Et s'il le fait, c'est vraiment pour trouver la position la plus confortable pour lui. Puis vous allez tout simplement porter votre attention au niveau de vos yeux et de vos paupières. Et vous allez tout simplement imaginer que vos paupières sont collées . Pour les coller, vous pouvez utiliser une colle magique ou un maquillage magique, peu importe. C'est une colle très douce et très agréable, qui font qu'à partir de maintenant, vos yeux vont rester fermés. Et vous pouvez peut-être même sentir des sensations nouvelles au niveau de vos paupières. Comme si elles étaient plus lourdes. Plus détendues. Et vous pouvez imaginer que la détente qui s'est installée dans vos yeux va couler, glisser sur votre corps. Laissez cette détente s'installer au niveau de vos joues, et vous pouvez sentir vos mâchoires se desserrer . Vous pouvez également sentir votre langue qui s'installe confortablement dans votre bouche. Et vous pouvez même sentir que vos dents se détendent. Un peu comme si elles pouvaient s'écarter les unes des autres. Et plus vos dents s'écartent, et plus vous vous sentez calme et détendu. Et cette détente descend encore le long de votre cou, elle coule sur vos épaules. Et alors qu'elle passe sur vos épaules, vous pouvez sentir cette sensation agréable. Et tous les muscles de vos épaules se relâchent et se détendent
et vous pouvez sentir vos épaules qui s'abaissent, qui s'affaissent. Et cette détente continue de descendre le long de vos bras. Passant par vos coudes et vos poignets. Pour aller s'installer dans vos mains et chacun de vos doigts. Et ce qui est intéressant, c'est que les signes de la détente sont parfois différents d'une personne à l'autre ou d'un membre à l'autre. Chez certaines personnes s'installera une sensation de lourdeur, un peu comme si vous vous enfonciez un petit peu plus dans le fauteuil où vous êtes assis. Mais cette lourdeur est une lourdeur très douce, très agréable, très confortable. Et puis chez d'autres personnes, ce sera plus une sensation de légèreté. Un peu comme si vous pouviez flotter. Flotter au-dessus de ce fauteuil où vous êtes assise. Et puis parfois, ça peut être un mélange des deux. On peut avoir un bras qui est très lourd et un autre qui est très léger. Et je ne sais pas, vous, ce qui se passe dans vos bras, mais quoi qu'il se passe, prenez simplement le temps d'observer les sensations que cela procure. Peut-être y a-t-il des fourmillements dans vos doigts ou des picotements. Ou peut-être que vous pouvez sentir une sensation de chaleur. Une douce chaleur, un peu comme si vous mettiez vos mains à proximité d'une cheminée. Vous pouvez sentir cette douce chaleur au niveau de la paume de vos mains. Et laissez-vous simplement transporter par cette sensation agréable et tellement confortable. Et vous laissez encore cette détente couler le long de votre corps. Au niveau de votre buste et de votre ventre. Toutes les tensions se relâchent. Ça descend au niveau de votre bassin. Et c'est un peu comme si plus vous vous détendiez et plus vous vous enfonciez dans l'endroit où vous êtes installé. Votre corps se fait plus lourd, plus détendu.
plus calme. Et la détente s'installe également dans vos cuisses, vos genoux, vos mollets, vos chevilles et vos pieds. Vos pieds qui sont solidement ancrés au sol. Un peu comme si des petites racines sortaient de votre voûte plantaire et s'enfonçaient dans la terre. Et votre corps continue à se détendre. Et vous pouvez sentir les mouvements qu'il fait à chaque fois que vous respirez. Sentez ce mouvement. Chaque mouvement de votre corps. Quand vous inspirez, votre corps se soulève. Et c'est un peu comme s'il se remplissait de l'énergie qui vous entoure, de petites poussières étoilées, d'une lumière blanche et agréable. Et lorsque vous soufflez, votre corps s'abaisse, un peu comme s'il recrachait tout ce qu'il ne voulait pas garder. Toutes les tensions, toutes les idées noires, toutes les douleurs. Il recrache un air plus sombre, plus gris ou plus noir. Et vous allez tout simplement vous laisser bercer par ce mouvement de votre corps. Quand vous inspirez, votre corps se gonfle de légèreté. Et lorsque vous soufflez, vous vous enfoncez plus profondément. Lorsque vous soufflez, vous entrez encore un peu plus dans cet état. Et pendant que votre corps, lui, continue à se détendre, votre esprit, lui, va pouvoir aller dormir quelque part. Car pour cette séance, nous n'avons pas forcément besoin de votre conscient. Et quand bien même certaines pensées viendraient à vous, eh bien, vous les laisseriez juste passer. Un peu comme si c'était des bulles de savon que le vent transportait et emmenait un peu plus loin. Et vous, spectatrice, vous les regardez tout simplement passer devant vous, sans même essayer de les attraper. Juste regardez passer ces magnifiques bulles. Pendant que votre conscient observe ces bulles et qu'il commence à s'endormir, votre esprit inconscient, lui, va s'installer confortablement en vous. Et peut-être qu'à un moment, lorsqu'il sera prêt,
il pourra faire un mouvement. Bouger peut-être un doigt. Parfait. Et votre esprit inconscient s'installe en vous. Et c'est lui maintenant qui va vous guider. Car lui seul sait ce qui est bon pour vous. Lui seul sait ce que votre esprit conscient ne peut pas savoir. Et lui est capable de vous emmener dans l'état d'hypnose le plus adapté pour vous. C'est lui qui va choisir votre état d'hypnose. Et pendant qu'il vous conduit dans l'état où il veut que vous soyez, je veux simplement vous rappeler qu'à tout moment, si vous en éprouvez le besoin, vous pouvez sortir de cet état en ouvrant les yeux. Et vous serez parfaitement réveillé, en pleine forme. Je veux également vous dire que vous êtes dans un bureau et que peut-être il y a des bruits autour de vous. Bruits de voiture, de klaxon, d'ordinateur, mais peu importe, tous ces bruits font partie de votre environnement sonore et ne vous empêcheront pas de vivre pleinement cette expérience. Et puis vous savez que vous ferez bien ce que vous voulez de mes suggestions. Que votre inconscient peut les modifier, les transformer. Il peut même parfois changer certains de mes mots. Car lui sait ce qu'il a envie de vous montrer. Il sait ce que vous avez besoin d'entendre. Alors il pourra adapter tout ce que je vais dire, afin que cela ait plus d'impact sur vous. Et il va pouvoir vous aider à vous détendre, à vous sentir parfaitement calme et détendu. Et peut-être que votre inconscient accepterait de vous emmener devant un lac, un magnifique lac. Peut-être qu'il va choisir de vous emmener devant un lac que vous connaissez. Ou alors il va peut-être vous emmener voir un lac que vous n'avez jamais vu. Quel que soit le lac qu'il a décidé de vous montrer, prenez juste quelques instants pour regarder autour de vous. Regardez les couleurs. Regardez les formes. Regardez les textures. Et essayez de sentir également, est-ce qu'il y a une odeur particulière? Est-ce que vous pouvez sentir la chaleur du rayon des soleils? Ou est-ce que vous pouvez sentir sur votre visage une légère brise?
Regardez tout autour de vous. Sentez et ressentez la plénitude de cet endroit. Un endroit qui semble un peu hors du temps. Hors de l'espace. Un peu comme si tout était suspendu. Et vous pouvez maintenant observer le lac qui se trouve devant vous. Et je ne sais pas quelle taille et quelle forme a ce lac. Votre inconscient, lui, vous a montré le lac qu'il avait envie que vous puissiez voir. Peut-être est-ce que c'est un très très grand lac qui s'étend à perte de vue. Peut-être est-ce un lac un peu plus petit. Mais peu importe la taille du lac que votre inconscient a décidé de vous montrer. Vous allez juste observer la surface de ce lac. Et regardez attentivement. Est-ce que sa surface est parfaitement plane? Ou est-ce qu'il y a une légère onde? Et regardez. Observez la plénitude de ce lac. Essayez de ressentir son calme et sa force. Peut-être même vous pouvez observer ses reflets. Vous allez pouvoir essayer une petite expérience. Dans quelques instants, lorsque je vous le dirai, vous prendrez un caillou et vous jetterez ce caillou dans ce lac. Et alors vous observerez les mouvements de l'eau à la surface du lac. Vous regarderez attentivement ce qui se passe. Vous regarderez les petites vaguelettes que cela engendre et après vous verrez que petit à petit, l'eau redeviendra parfaitement plane. Et vous allez pouvoir jeter le caillou maintenant et observer. Et quand le lac sera redevenu parfaitement plane, votre inconscient se manifestera. Il bougera un doigt. Et si vous voulez, vous pouvez refaire l'expérience plusieurs fois. Et vous pouvez même jeter plusieurs cailloux à la fois dans ce lac
et il se passera toujours la même chose. Au bout de quelque temps, le lac redevient parfaitement plat, calme. Et les cailloux, eux, sont tombés profondément dans les profondeurs du lac, où ils n'ont plus aucune prise sur lui. Et alors que vous êtes face à ce lac et que vous observez sa plénitude et sa sérénité, peut-être qu'à cet instant précis, votre inconscient aurait envie de vous faire un cadeau. Peut-être que votre inconscient pourrait vous offrir quelque chose de merveilleux maintenant. Il pourrait, par exemple, vous montrer quelque chose ou quelqu'un. Ou il pourrait vous dire quelque chose, comme une petite voix dans votre tête. Ou il pourrait choisir de vous montrer un événement. Un événement du passé ou peut-être un événement du futur. Et je ne sais pas quel cadeau va décider de vous faire votre inconscient. Mais il peut choisir ici et maintenant de faire quelque chose pour vous. De faire quelque chose qui aura de l'importance. Vous permettra de voir, peut-être de comprendre ou d'entendre. Ou peut-être a-t-il envie d'installer en vous une sensation agréable. Vous savez que votre inconscient est bienveillant et que quel que soit ce qu'il a choisi de vous offrir maintenant, cela a forcément du sens, cela a forcément une importance, car s'il a choisi de vous offrir ce cadeau, c'est pour que vous puissiez comprendre. Et vous pouvez de nouveau regarder ce lac. Et vous pouvez vous aussi devenir comme ce lac. Calme et sereine. Et peut-être que parfois, une pierre peut tomber dans votre lac. Mais vous savez que quoi qu'il arrive, la surface de l'eau redeviendra calme et paisible. Alors, quand vous en avez besoin, n'hésitez pas à retourner vers ce lac intérieur. Votre lac. Et n'hésitez pas à le contempler. Et à vous laisser transporter. Par
par le calme et la sérénité de cet endroit. Et comme il est agréable d'être dans ce lieu magique où rien n'a de prise, où tout est éphémère. Où tout passe. Tout passe. Un peu comme le vent qui passe sur vous et qui emporte avec lui toutes vos mauvaises pensées. Et face à ce lac, ici et maintenant, vous pouvez, si vous le souhaitez, sortir de votre tête ce que vous avez envie de sortir, d'en faire une boule et de le jeter au fond du lac. Et vous allez prendre le temps de sortir de votre tête ce que vous voulez enlever, ou même sortir de votre corps ce que vous voulez enlever. Faire une bonne boule et jeter cette boule dans le lac. Et quand vous l'aurez jetée, votre inconscient me fera signe. Et vous observerez les mouvements du lac, les petites vaguelettes qui ont été formées par cette boule que vous venez de jeter dedans. Et vous allez les regarder jusqu'à ce qu'elles aient complètement disparu et que le lac soit redevenu complètement calme, plat et apaisé. Alors vous savez qu'à tout moment, si vous en éprouvez le besoin, vous pourrez retourner face à ce lac et vous pourrez jeter dedans ce que vous ne voulez pas garder. Et vous pourrez ainsi vous sentir libéré, plus légère, plus calme et détendue. Et vous pourrez en profiter pour ressentir cette sérénité qui se dégage de ce lieu magique. Alors il va être temps maintenant de laisser ce lac pour reprendre le chemin. Vous ramènera ici et maintenant. Et alors que vous vous éloignez de lui, tout en sachant que vous pourrez le retrouver très facilement, vous pouvez de nouveau sentir votre corps. Ressentir l'énergie dans vos pieds qui pourront de nouveau se décoller du sol, car ce sera comme si vous aviez rétracté les racines. Et puis, vous pouvez de nouveau reprendre possession de vos mains. Laissez l'énergie revenir dans chacun de vos doigts. Votre esprit inconscient, lui, va retourner à sa place. Alors que votre esprit conscient va se réveiller,
et revenir s'installer en vous. Vous pouvez de nouveau sentir les mouvements de votre corps lorsque vous respirez. Et puis vous allez sentir votre corps retrouver son poids naturel et normal. Et vos yeux vont simplement se décoller. Et quand ce sera le bon moment pour vous, vous prendrez une profonde inspiration et vous pourrez rouvrir les yeux et revenir avec moi ici et maintenant, en pleine forme et en parfaite énergie, et en gardant avec vous une part de cette sérénité et de ce calme. Parfait.